Yo les viewers, c'est Spartlink et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ocarina of Craft. Allez hop, ça c'est fait. Cette fois-ci, je vais l'intro un petit peu rapidement parce que j'ai pas trop le temps tout de suite là maintenant. Donc je fais un petit peu la vidéo à l'arrache, mais j'ai pas trop le temps. Donc rappelez-vous, dans le dernier épisode, on est arrivé au lac Ilia et puis on va visiter tout de suite. Un zombie en plein jour, mais qu'est-ce qu'il veut là? Où je l'ai décapité. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le puits? Ah oui. C'est un petit peu logique maintenant. Non, c'est bloqué. Attends. Le grappin commence à être mort. Je risque de m'en regiver un quand il sera. J'ai entendu un guest. Je sais pas si vous l'avez entendu aussi, mais j'ai entendu un guest. Bon, c'est pas grave. Petite pièce. C'est pas vrai, j'ai déjà faim. Ah bah, on va pas gaspiller les pommes. Nom 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 nom. Une armure. Mon armure va bien. Il existe des hommes comme celle-ci. Elles sont utiles en cas de problème. Ouais, mais en fait, c'est juste un genre de... Ouais, non, en fait, j'ai pas de nom. C'est pas grave, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est ici? Le scientifique. Bienvenue dans mon laboratoire. As-tu déjà vu l'apothicaire? Elle teste mes potions. Ah bah c'est elle alors. J'ai des potions qui sont à toi, monsieur. Ouais non, ça sert à rien. Alors, tu cherches le temple de l'eau? Va voir dans le lac. D'accord. Si tu arrives à prendre le rubis, il est à toi. Quel rubis? Ah! Je le veux. Remonte. Je peux pas respirer. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah. Bon, je vais prendre autre chose que mon épée parce que maintenant je sais pas pourquoi mais elle perd de la vie, elle en perdait pas avant. Sharpness 1, Smite 1. Bon. On peut monter sur le toit. En fait, y a rien d'intéressant sur le toit. Peut-être là-haut. Un rubis bleu. Tout ça pour un rubis bleu. Bon, en même temps. C'est le début de la richesse, hein, j'ai envie de dire. Donc dans le lac, hein, il a dit. Ce serait pas là. Ah, j'ai trouvé. On va respirer un coup avant. Voilà. Temple de l'eau. Il paraît que le temple de l'eau, c'est le pire dans tous les Zelda. Et ça dépasse de... Ça dépasse du panneau. Clé de l'eau. Oh. Oui, bon, pour que ça refasse une musique en boucle. Voilà. On va reprendre les pommes. Ça part super vite. Je pense qu'il faut utiliser le grappin. Bah ouais, moi aussi, mais il n'y a pas de carte. Pas un truc dans...
Non. Je cherche toujours des secrets, hein. Ça se pour ouvrir la porte. Voilà. Le grappin, oui, mais il n'y est pas le carte, madame. J'espère que je vais pas être obligé de cheater. Ça change les. Oui, mais je veux bien, mais. Une carte ici. Là, c'est là la destination pour ouvrir la porte. Peut-être que ça doit venir de là. Je vais devoir faire une ellipse. Allez, à tout de suite les gens. Allez, heureux tout le monde. Donc cette fois-ci, j'ai remis le grappin. Et je ne me suis pas remis en survie, voilà. Alors, je l'attrape et je le mets. Et ça fait quoi? J'ai peut-être loupé un truc avant. J'ai clé de l'eau. Ouais, je vais ramasser. Mais je comprends pas ce qu'il faut faire. On va remonter pour voir s'il y a quelque chose, mais je pense pas. Mais non, c'est ça. Ça marche pas. Il y a un problème là, c'est quoi le délire? Je ne comprends pas. Oh, pourquoi je fais ça? Mais je comprends pas. Y a rien dans la fontaine là. C'est censé activer quoi ces trucs? Donc là, ça arrive. Ça m'énerve. Je vais tout casser. Bon, si vous faites la map et que vous comprenez, vous pourrez me le dire dans les commentaires. S'il vous plaît. Et j'ai la voix cassée aussi, j'ai oublié de le préciser. Et ça fait une semaine, c'est pour ça que je faisais peu. Mais reviens, imbécile! J'ai quelques abonnés en Skype. Ils étaient plutôt impatients, je dois dire. Ça m'a fait plutôt plaisir. À mon avis, il y avait un carte là aussi. Et ça, ça devait l'activer. Donc on va en mettre un là. Vous voyez tous les trucs qu'il y a. Ouais.
Ouais, je sais, je regarde des trucs qui pourraient être plus tard dans le jeu. Dans l'histoire. Je sais, j'ai tout cassé, mais je m'en fous. Voilà, donc ça dégage. Maintenant, l'orage est pas content parce que j'ai triché. C'était même pas de la triche, en fin de compte, hein. Bon, bah, d'accord. Au final, c'était rapide. D'accord. J'entends des monstres. Ne me dis pas que... On va aller là. Je vais me noyer là. Ah non, c'est... C'est quoi ça? C'est un labyrinthe en eau et en verre. J'adore ça! Non, je veux pas me noyer. J'entends un Enderman. Et je pense qu'il va éviter de venir dans le temple parce que j'ai... Le corps! Je dois ressortir où pour la pour prendre le coffre? Non. Je tourne en rond. Énorme téléportatrice. Ça m'énerve. Je déteste le labyrinthe. Et je crois que ça se voit plutôt que ça s'entend parce que vous me voyez pas réellement. Peut-être par là. Ça me dit rien ici. Ou alors je tourne en rond comme un teubé. Bon, je crois que c'est ça surtout. Je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu. Et là, là c'est de la juin. Et là, c'est le point de départ. Non, c'est pas le point de départ. Mais j'en ai marre. Je déteste les labyrinthes. Alors ça, c'est bien un truc que je déteste. J'ai cassé le bloc! N'entend pas le bruit des armes dans l'eau. Ouais! Et maintenant, je dois aller où? Ah non! Non! C'est ça? Mais non, c'est pas ça. Là, je retourne dans le labyrinthe. Et là aussi, qu'est-ce que c'est que ce... Je ne comprends pas.
Peu d'herbe, c'est pas mal. J'espère que je vais pas finir l'épisode sur ce truc-là, on n'a pas avancé. Ou alors c'est pas là que je dois la mettre la torche. Est-ce que j'ai été ici? Je sais pas, j'ai cru voir un truc bizarre. J'aimerais bien casser le bloc, mais j'ai pas le droit. Maintenant, faut qu'on revienne au début. C'est pas là le début. Je vais faire une ellipse le temps de trouver la sortie. Et voilà, je crois que j'ai trouvé la sortie. Eh oui! Donc maintenant, ça, je le mets où? Ici? Je crois pas, hein. Je crois que je suis complètement en train de tricher, mais tant pis. Je comprends rien à ce temple. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Redstone. Qu'est-ce que je dois faire encore? Oh! Ah, c'est pas mal ça. Je crois que j'ai compris. D'accord. Bon, ça c'était simple. J'aime bien les épreuves simples comme ça. Et ouais, je suis comme ça. Bravo! Le flacon peut transporter de l'eau, de la lave ou bien du lait. C'est assez utile. Vous obtenez flacon. Ta 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 ta. Et je fais le bruit à chaque fois. Et on ressort. Je ne sais pas où je suis. Où suis-je? Ah! Ah, d'accord. Ah! C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Dans le puits. J'ai l'impression qu'il va y avoir du fight. Et j'avais raison. Ah non! Ouf, heureusement qu'il a rien fait comme dégâts. Slash. Toggle. Donc. Je sais pas ce que c'est. Vas-y, c'est ça la commande. Ah, c'est ça, je crois que j'ai compris ce que je dois faire maintenant. Si je me souviens. Ah! Voilà, j'ai tabassé une chauve-souris, maintenant je suis content. Oh non! Dégage! C'est ça, pète dans ton coin. Et là où il nous disait de mettre de l'eau, bah on va mettre de l'eau. Oh! Ah! Où on est maintenant? Coucou la vache. D'accord. Ouais, des rubis dans les herbes. C'est pas logique, mais c'est pas grave. L'épée de légende, Ocarina of Time. Waouh, c'est joli.
J'ai faim. Heureusement que j'ai encore du pain. J'entends plein de monstres. Alors. Ah. Pourquoi il y a des gâteaux là? Je vois pas de gâteaux moi. Ah oui, ils ont dit on peut prendre les objets dans les tableaux, je m'en souviens. Ça, on va le laisser là. Parce que je m'en fous. Il y a le volcan à côté. C'est pas un volcan ça. La droite. Ah, à droite. Peut-être à gauche c'est un volcan, mais à droite c'est pas un volcan. Bon, on va garder ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que... D'accord. Ok. Monsieur London, tu veux du bon lait London? Un rubis bleu. Dis donc, t'es cher. Oh! Lait London. Et j'ai bien l'impression qu'on a un deuxième flacon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ouais! Ouais, bon, on va arrêter quand même. Ah oui, la ferme London, je crois, le truc. Ou London. Ouais. Avec tous les... Ouais, d'accord, je crois que je... Mais vous avez entendu aussi le ghast. Je suis pas fou. Bon, bah, on est dans le... Bah, on est ici. Et bah, je pense qu'on va se laisser là. J'entends plein de monstres. Est-ce que ça vient d'ici? Song of Storm, Ocarina of Time. Oula! Il y a un château par là. Je me casse. Song of Storm, je crois que c'est le son du de l'orage. Je crois. Il y a plein d'œufs. Je crois que j'en ai ramassé un travers. Tiens, un œuf dans ta face. Bon ben, on va se laisser là, les amis. Et dans le prochain épisode, nous irons visiter le volcan Goron, qui est juste ici. Et c'est bien ce que je pensais, c'est un volcan. Et de l'autre côté, il y a un... Oh. De l'autre côté, il y a un château, et je pense que c'est le château de Ganondorf. Ganondorf, pour les intimes. Ou Ganon, enfin, comme vous voulez, moi je m'en fous du nom, en fait. Je sais jamais comment... Le dire, donc passer en normal. Voilà. Nievi. Voici le volcan Goron. Il y a de la lave partout. Mais ici se trouvent des objets très utiles. Eh bien, nous visiterons ce volcan dans l'épisode prochain. Et d'ici là, je vous souhaite... non, c'est pas ce bouton-là. Je vous souhaite de vous... d'aller bien. Je sais pas quoi dire. De si vous avez aimé likez, si vous avez pas aimé likez pas. Aussi je voulais vous dire c'est très difficile de se faire connaître, donc si vous avez des amis qui aiment bien regarder des vidéos Minecraft ou toute autre vidéo, vous pouvez en parler de moi ou leur en parler. Enfin, vous pouvez parler de moi autour de vous, dans votre entourage, parce que je j'ai du mal à me faire connaître et c'est pas facile de aujourd'hui de se faire connaître. Enfin, vous m'aurez compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Et à la pro qu'est-ce que... Des magma cubes. D'accord. Bon bah on verra tout ça dans le prochain épisode. Allez, à plus tout le monde.